Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le dernier épisode de la série Comment passer de 300 euros à 1000 euros. Donc ces dernières semaines, si vous ne le savez pas, j'ai démarré une série Comment passer de 300 euros à 1000 euros. Je vous invite à aller voir les derniers épisodes, je crois qu'il y a une fiche qui s'affiche ici. Moi, je vous invite à aller voir les derniers épisodes, enfin toute la série entière si vous venez seulement sur cette vidéo. Voilà, dans cette vidéo, on va faire simplement le bilan de ces 5-6 semaines, je crois à peu près, d'achat-revente de sneakers qui m'ont permis de passer rapidement de 300 euros à 1000 euros seulement grâce au resell de sneakers. Donc déjà, pour revenir à ce qui s'est passé dans cette semaine, car la semaine dernière, je vous avais dit qu'il me reste encore quelques paires à vendre et que du coup, je n'avais pas atteint les 1000 euros. Et j'ai vendu toutes les paires qu'il me restait à vendre. Donc la première paire que j'ai vendue, c'est la Jordan 1 Low Greato que j'avais payé environ 35 euros et que j'ai revendu pour 110 euros. La seconde paire que j'ai revendue, c'est la Jordan 1 Mid Reverse Bred que j'avais payé environ 56-58 euros et que j'ai réussi à revendre pour 100 euros quelques jours seulement après. Donc pareil, encore un très bon bénéfice sur cette paire. Et enfin, donc la dernière paire qui me restait et qui sera la dernière paire de cette série, c'était la Jordan 1 High Royal Toe que j'avais payé 150 euros et que j'ai revendu 4-5 jours après pour 250 euros sur Vinted encore une fois. Donc là, je vais vous montrer le tableur pour vous montrer tout ce qui s'est passé durant la série. Il me semble que j'ai vendu 17-18 paires, donc on va voir ça ensemble. Combien de bénéfices j'ai fait en moyenne par paire, quel pourcentage en moyenne j'ai retenu sur chaque paire. Donc du coup, on va voir ensuite qu'est-ce qu'on fera sur la chaîne, etc. Enfin bref, on va parler de tout ça, mais là pour l'instant, je vais vous montrer le tableur. Donc voici pour ce qui est du tableur, donc on est arrivé à 1206 euros dispo, donc on a même bien dépassé l'objectif qui nous était fixé. Le seul déficit que j'ai fait, c'est sur la Terra Kicker Off-White où j'ai perdu 30 euros car je voulais récupérer mon argent rapidement. Mais voilà, donc en 16 paires vendues, j'ai récupéré 1206 euros et donc du coup j'ai fait un bénéfice de 906 euros en l'espace de quelques semaines. Donc pour ceux qui le veulent réellement, vous pourrez aller voir dans la description, je vais essayer de pas oublier parce que la dernière vidéo j'avais oublié et je l'ai mis un peu plus tard. Mais voilà, vous pourrez aller voir dans la description, je vais essayer de vous mettre le tableur de la série pour que vous puissiez voir précisément quel bénéfice j'ai fait sur telle paire, etc. etc. Donc voilà, on est arrivé à 1206 euros en 16 paires vendues. Donc pour ce qui est des certaines statistiques que je vais vous donner, c'est que donc du coup, étant donné qu'on a fait 906 euros de bénéfices et qu'on a vendu 6 paires, on a vendu pour en moyenne 56 euros de bénéfices par paire, ce qui est pas mal pour un plus grand bénéfice de 113 euros et 52 centimes et un plus grand déficit de 30 euros. Ensuite, pour ce qui est de la valeur totale de ce que j'ai acheté pour environ 1394 euros de paires, donc sur ces 16 paires, j'ai payé environ 1394 euros et j'ai vendu le tout pour exactement 2300 euros. Donc pareil, là franchement, je suis très content, je pensais pas que je ferais autant de bénéfices, enfin arriver aussi haut avec si peu investi. Voilà, 2300 pour 2400 pratiquement, bah c'est juste pour, enfin 2300 récupérés pour 1400 investis, c'est juste incroyable. Moi, je suis énormément content. Donc du coup, bah là maintenant on va voir, on va discuter de qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne, quelle série je vais démarrer, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. Également, les différents objectifs que je m'étais donné, c'était d'arriver aux 1000 euros et ensuite de m'acheter la Jordan 4 University Blue. Entre temps, j'ai changé d'avis, j'ai réfléchi et une autre paire sort d'ici 2 semaines. Maintenant, quand je sors cette vidéo, 2 semaines tout pile, c'est la Jordan 1 University Blue. Donc, je vais vous la mettre ici ou ici et c'est la paire que je vais m'acheter comme récompense entre guillemets de cette série. Donc voilà, donc de 1, les deux choses qui ont fait que j'ai voulu m'acheter la paire, c'est que de 1, je n'avais pas de Jordan 1 High. Si j'ai seulement la Jordan 1 Mid, je vais essayer de vous, je sais pas si vous voyez bien, mais la Jordan 1 Mid qui est au fond dans mon armoire. Et également, la paire sort 2 mois avant la Jordan 4, donc je préférais me l'acheter maintenant. Pour ce qui est de l'avenir, de ce que je vais faire sur la chaîne, je pense avoir quelques idées, je pense savoir à peu près où je veux aller. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous, ça vous intéresserait que je vous fasse une saison 2 entre guillemets, une nouvelle série, passer de 300 euros à 2000 euros, passer de 100 euros à 1000 euros, passer de 100 euros à 2000 euros. Ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous préférez faire, enfin qu'est-ce que vous préférez que je fasse. C'est important pour moi car je sais pas exactement, je sais que je vais faire une saison 2 entre guillemets, mais voilà, je sais pas exactement à quel bénéfice, avec quel budget je vais partir et quel bénéfice je veux atteindre. Moi, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je pense que de passer de 100 euros à 2000 euros, ça peut être un bon challenge et une série qui va durer un peu plus longtemps, donc je pense que ça peut être vraiment cool. Également, comme je vous ai dit, je vais m'acheter la Jordan 1 University Blue. Je pense qu'avec ma chance légendaire, je copperai jamais la paire sur SNKRS. Voilà, donc si vous arrivez à cop un 42,5 ou un 9 US, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous le mets dans la description, c'est swave-resell. N'hésitez pas à me DM avec des prix pas de boucher s'il vous plaît, des prix des fair price. Voilà, la paire c'est pour la robe, je vais pas la revendre, donc j'espère vraiment pouvoir tirer un bon prix
de la perte pour pas avoir à dépenser 400, 500 euros dans la perte. Donc voilà, donc on arrive sur la fin de cette vidéo et donc de cette série. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a permis de grandir sur ma chaîne YouTube. J'ai pris en confiance. Ma chaîne YouTube a grandi. Et vous, j'ai vu que la série vous plaisait plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment vous voulez une saison 2. Donc bah, nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel sera le thème de la vidéo, mais je pense que ça va être vraiment cool. Du coup, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.